Toujours à disposition dans, à l'entrée du couloir pour pouvoir voter, pour choisir ou l'école avec les fermetures de classe ou l'école en REP plus. Demain, donc, c'est écriture, un courrier qu'on envoie au président de la République de 9h à midi. Les courriers sont prêts, il n'y aura plus qu'à mettre sous enveloppe. La semaine prochaine, dans, les parents d'élèves organisent une école sans élèves mardi prochain. Pour soutenir le mouvement, pour le retour en éducation prioritaire. Lundi soir, les enseignants occupent l'école et dorment à l'école pour montrer tout leur attachement au quartier. Comme vous pouvez le voir, on est pleinement engagé pour la vie du quartier, la vie de l'école, la réussite de tous les élèves. Et cela ne peut se faire grâce, sans le soutien de la municipalité qui nous aide au niveau logistique et aussi de nous permettre de pouvoir mener toutes ces actions. Le jeudi 6 février, pour le retour en éducation prioritaire, les enseignants appellent l'ensemble des collègues à être en grève et à manifester devant la mairie, puisque le directeur académique qui va décider sur la carte scolaire sera présent. À 10h, il rencontrera le maire Nicolas Langlois pour étudier les mesures de fermeture de classe ou d'ouverture. Et notamment, nous, ce que l'on veut rappeler, c'est qu'on veut revenir en REP+, dès la rentrée prochaine. Depuis 2014, on attend. Il est hors de question qu'on attende un an de plus ou deux ans de plus, comme le prévoit notre ministre. Je me permets une aparté quand même, parce qu'on ne peut pas parler éducation prioritaire sans parler globalement sur le mouvement qu'il y a actuellement. Et donc, dès la semaine prochaine, aujourd'hui, il y avait une grosse journée d'action sur la question des retraites, parce qu'on ne peut pas parler éducation si on ne parle pas aussi de l'avenir, de l'emploi, des salaires, mais aussi de nos retraites. On était mobilisés à l'école aussi. Et dès la semaine prochaine, il y aura encore une action, je pense jeudi prochain, 10h30, mercredi prochain. Ouais, ça fait plaisir. Oh, à la gare SNCF. Il y a du monde de partout. Le monde entier là. Je sais pas si vous êtes au courant. Le monde entier là. Votre dentier aussi. Le dentier du monsieur aussi apparemment. Tout le monde est là. Donc on va essayer de passer un petit moment ensemble. Merci à François, merci à toute l'équipe, tout le monde, de nous accueillir ici. Alors, puisqu'il dit merci à toute l'équipe, je vais essayer de nommer toute l'équipe sans les oublier. Donc merci à Catherine Steff, Aurélie Yva, Muriel Bergeau, Déborah Doshi, Sophie Sanchez, Clémentine Rass, Mathilde Fatras, Bénédicte Lefebvre, les ACEM, et aussi, que je n'oublie pas parce que j'ai pas tous les noms, Estelle Gréboval, Madame Mélanie Vandic, Monsieur Buich, Antoine Buich. Gisèle Mezé, Lisiane Claire, François Caillé, qui n'a pas été cité, Estelle de la maternelle. Si, Estelle Gréboval, je l'ai citée. Sinon, faites des listes, vous les donnez à François, on vous citera en fin de concert. Jenny, ouais. Sandra Lacour. Fleur Morel, qui s'est excusée. Marie-Odile Poussé. Bref, toute l'équipe, et si j'en ai oublié, bah excusez-moi, mais bon.
Alors surtout, n'hésitez pas à dire si c'est trop fort ou pas assez. C'est un concert interactif. N'hésitons pas, c'est vrai. Le chant, ça a été, il n'y en avait pas. Attendez, ça va arriver. Alors à partir du moment où on demande déjà plus fort à la guitare, c'est que je sais pas comment ça va finir. Est-ce que François a monté le jeu de fléchettes là? On lance un tournoi de fléchettes dans 2 heures. 50 centimes d'inscription, c'est pour la collectivité. Alors là, c'est un enchaînement de chansons, d'une petite dédicace à ma fille qui doit pas être là d'ailleurs. Voilà une petite pensée. T'es sûr qu'elle va entendre? Petite pensée pour toi, Lou. Je l'ai trouvé, un petit magasin, soutenu dans mes souliers. Placé devant la cheminée, pas besoin de vous faire un dessin. Mon cœur s'est arrêté sur le lit, j'ai jeté bon jouet. Tout au contraire, je me suis penché et sa beauté m'a entumé. Fatigué, j'ai la gueule de bois, toute la nuit j'avais aidé son père. Je m'appelais Jean Balthazar. Je prends la fille dans mes bras, elle me dit mais non Balthazar, ne fais donc pas le fier en bas, je suis tombé là par hasard. Les enfants. Toute la nuit elle avait donné des cadeaux à tous les enfants. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard, elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean-Balthazar. Elle était là dans mes souliers. Et quand j'ouvrais prendre son cœur, je l'ai remis sur le palier. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard, elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean-Balthazar. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard, et elle m'a dit Allez, 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 allez,
chaise, pardon. Tout. Bonsoir le public du Val d'Oise. Vraiment plaisir de jouer vraiment devant vous, vraiment, vraiment, vraiment. Courir à perdre haleine, sous les étoiles, on nous voit à peine. La nuit chasse les dilemmes. Dis-moi encore que tu m'aimes. Que le vent nous ramène, dis-moi encore que tu m'aimes. Entends-tu la mécanique quand se déroule le générique? Jouer toutes les scènes, dis-moi encore que tu m'aimes. Et si l'on modifiait le thème, dis-moi encore que tu m'aimes. Agile tout de même, même en rectus. S'il vient, sens-tu le parfum que le vent nous ramène? Dis-moi encore que tu m'aimes. Et si l'on modifiait le thème,